Ohayo minasan, c'est ce Sojap. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite les meilleurs vœux. Une très bonne année 2024. Donc aujourd'hui, j'ai reçu les gachapons et leur cosmos que j'ai acheté via Zen Market. Et je vais vous montrer comment les fabriquer pour que ce soit un globe qu'on pose comme ça pour décorer. C'est parti! Alors, une fois ouvert, ça se présente comme ceci. On a le globe d'un côté avec un petit bouchon. Et deux petits bouchons comme ça. Et bien sûr, l'explication. Donc, voilà. On va retirer le bouchon. On va mettre de l'eau. Soit jusqu'à la moitié, soit jusqu'au bout. Hein. Moi, je préfère mettre jusqu'en haut pour qu'il n'y ait pas de reflet sur l'image. Et ensuite, on va retirer la capsule du dessous pour pouvoir le mettre de ce côté et poser tout simplement le globe par-dessus. Voilà. Donc là, je vais aller remplir d'eau et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà. Donc là, c'est rempli. On secoue bien hein, pour qu'il y ait les petites paillettes étoiles dessus. Donc voilà. Vous pouvez voir maintenant qu'il y a du coup de l'eau dedans. Donc le bouchon, j'ai bien refermé pour que ça ne coule pas. Et maintenant, je vais retirer cette capsule. Voilà. Donc on voit bien l'écriture vers le bas cette fois-ci. Et on pose donc délicatement. Le globe par-dessus. Et voilà. Très simple. Donc on remplit bien l'eau jusqu'au bout quasiment pour que le reflet de l'eau ne soit pas sur le visage en fait du personnage. Hein. Donc là c'était Sailor Cosmos. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous avez acheté vous aussi le gachapon Sailor Moon Cosmos. Merci. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.